Coucou mes affreux Jojo! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour l'épisode 51 du 100 Baby Challenge. Et dans cet épisode, on va essayer de créer la dépendance de Lorena pour qu'elle puisse faire des cours de yoga à domicile, peut-être des massages et tout. Donc écoutez, comme on a beaucoup de travail et beaucoup de simflows à faire, trêve de blabla, c'est parti. Ok, alors il s'est passé un truc très bizarre, très 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 bizarre. Comme vous avez pu remarquer la dernière fois, euh, dans l'épisode 49, il me semble, j'avais des triplés. Et en entrant dans le mode CUS, donc créer un sim, j'ai perdu. Un bébé alors j'ai pas trop compris ce qui s'est passé mais je crois que c'était un bug du jeu et du coup euh, le compteur est complètement bon puisque d'un côté j'avais enlevé Timothy du compteur et que d'un côté j'avais perdu un bébé le compteur est remis en quelque sorte à son niveau donc c'est bon on est bon dans le compteur puisque du coup j'ai décidé de la compter euh, le bébé qui est parti parce qu'elle a bien été enceinte elle a bien accouché le souci c'est que le jeu a décidé de euh, l'enlever je ne sais pas où elle est partie je l'ai cherché partout dans le monde elle n'était pas du coup le compteur est bien à 51 il me semble de toute façon c'est affiché en bas de ma grosse tête. Et voilà, on repart sur de bonnes bases. Bon, le mioche qu'on a eu là, on va le bouger parce que sinon il va réveiller tous mes enfants. Je pense qu'on va le mettre au salon. Et il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés que j'ai pas mis de tapis et tout au salon. Les gars, c'est pas fini la déco, c'est pour ça on a plus de thunes OK Bon, le bébé, écoutez, je sais pas où le mettre, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça il gêne pas trop. Et aujourd'hui, ouais, l'objectif ça va être de faire la dépendance pour que Lorena puisse travailler et je pense que Oh non, il commence déjà je suis à se Oh non, c'est pas possible. Non, 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 je suis pas d'humeur baby je suis pas d'humeur. Bon, allez, va te nourrir, t'apaiser, te babiller, c'est très bien. Donc ouais, je disais la dépendance, on va la faire peut-être par là et euh, vous vouliez aussi une piscine alors une piscine je sais pas si on aura la place mais ça pourrait être pas mal une piscine hein. surtout que là l'été va arriver donc euh, ce serait trop trop cool qu'on ait une piscine mais Loretta qu'est ce que tu fais je t'ai dit t'allais une les... mais ah oh en plus j'arrive plus à parler, si j'arrive plus à parler, alors là on est bien une youtubeuse qui arrive plus à parler. Ah bah parfait, ah bah parfait. Par contre, toi Morticia, tu sers à quoi? à part faire de l'ordinateur. ok d'accord. Tu décides carrément euh, de hanter les jouets de mes gosses. Non mais y a pas de souci, tu pourrais quand même nous aider à s'occuper de ce mioche, mais bon, c'est pas grave. T'en as déjà assez fait toute ta vie. Loretta, elle grandit quand? Parce que tant qu'elle est là, on veut pas faire de nouveaux bébés. Ah bah elle grandit demain. Du coup, on pourra faire une grossesse. Parfait. Pourquoi ils ont l'air perdus mes gosses là? Vous êtes hors sujet avec le temps et l'espace. Hein. Bon, vous allez manger un repas rapide, genre tu vas manger des petits pois, toi. Et toi, bah t'es pas fatigué, pas faim mais tu vas quand même aller dormir voilà c'est moi qui l'ai décidé toi qu'est-ce que tu fais Au lieu de faire une sieste dors c'est pas compliqué nom de Dieu toi tu te laves OK toi tu manges parfait et ensuite après avoir mangé tu iras te coucher également elle ou ta chambre moi j'oublie 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 Loretta elle mange quoi du fish and chips OK il oh, y a quelqu'un la dernière fois il m'a fait trop rire en commentaire vous m'avez dit que genre euh, vous aviez peur que on confonde les cendres de Timothia avec le poivre parce que je l'ai mis dans la cuisine hilarant enfin bon enfin, ça m'a fait rire je... un peu humour noir un peu un peu ambiance glauque mais bien. Sinon, la Réno, vous l'avez bien aimée dans l'ensemble. Hein. Moi, je suis très contente que vous avez bien aimé la Réno. Après, il y a des gens qui ont trouvé bizarre cet espace ici. Et je vous comprends. Moi aussi, je sais pas ce que je vais en faire. Mais euh, on verra. On verra. Non, mais Morticia, toute ta vie, tu maltraites des peluches. C'est pas possible, Morticia. Oh là là. Je te rappelle que, bon, t'as bossé dans le paranormal et tu te faisais un peu victime. Hein. Non, mais on s'en souvient tous. On s'en souvient tous. Arrête de faire genre. Hein. Bon, Loretta, elle est vraiment au bout de sa vie. Pourquoi elle est toute sale comme ça Elle s'est fait pipi dessus ou quoi mais Ça va pas bien. Hein. Bon, je vais la faire se laver et tout. Oh, le bébé. Oh non, changer la couche. Apaisée et ensuite elle ira hop au lit. En vrai elle va trop manquer Loretta parce que elle a un petit style que j'aime bien et euh, j'aurais aimé la garder plus longtemps dans le foyer mais bon faut faire de la place. Oh non 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 on va pas les Déco il a plus de, de croquettes moi ça me fait de la peine. Hop allez va lui mettre les croquettes qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Ah le jour de... ah le jour de foyer était nul. Oh non oh non oh non l'erreur ultime j'ai oublié de mettre une veilleuse. Oh non bah alors là je m'en veux là je m'en veux là je m'en vois. Oh non c'est pas possible j'oublie tout le temps qu'il faut leur mettre des veilleuses à ces mioches c'est pas possible. Pff, en plus ça coule de source c'est tous des, des je vais leur mettre celle-là, comme ça, voilà. Et une deuxième d'une autre couleur, parce que comme ça, ils me feront pas chier. Voilà, chacun la sienne. Si ça, c'est pas beau, franchement, je sais pas ce que c'est. Hop! Voilà, parfait. On est heureux, on est content. Bah du coup c'est Loretta qui va... Non, 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 non. Va pas réveiller ta mère, non, je t'en supplie. Je te tue, je te tue. Je su... Non, arrête, arrête. On va vaporiser les monstres sous le lit. Et vous en attendant, vous, vous restez là, vous allez ici. Allez, voilà. Loretta, elle va vaporiser. Vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. Ok. Mais elle a pas vaporisé celui-là. Allez, va vaporiser. Pip, pip, pip. Ok, d'accord. Mettre au lit, on va mettre Dylan. Et mettre au lit, on va mettre Cassandra. Non, 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 non. Et qu'est-ce qu'elle fait Ah d'accord. Elle aussi, elle est effrayée. Comment, elle est effrayée C'est pas possible. C'est qu'elle soit effrayée, il y a une veilleuse là-dedans. Ah non, là, t'es une grosse menteuse. Hein. Tu mens, hein. tu mens beaucoup. Hein. <laughs> Elle m'a saoulée, hein. Allez, Cassandra, Oli, s'il te plaît. Neko, mais, mais non, mais pourquoi tu vas pas faire pipi dehors pas faire tes besoins dehors Morticia, arrête, tu nous gaves. Allez, au dodo. Toi, pourquoi t'es effrayée Je comprends pas pourquoi t'es effrayée, genre. Va dormir, Ah, elle a vu Morticia. C'est pour ça qu'elle est effrayée. Oh là là, va dormir. C'est ton arrière-grand-mère, quand même. Un peu de respect. Ok, tout le monde est au pieu. Waouh, j'ai cru que j'allais jamais y arriver, genre. Morticia avait toujours sa best life. Ah non, elle est partie telle le génie d'Aladin. Ok. Bon, euh, Lorena, en se réveillant. Ce que tu vas faire, c'est aller nourrir cet affreux, l'apaiser. Qu'est-ce que c'est ça oh Quoi Non, non. Mais les gars non mais j'ai trop de bugs dans mon jeu, ça me casse les cacahuètes. Comment ça euh... Non, non. Non mais on est d'accord, on n'a pas eu l'annonce du décès. C'est quoi ce merdier de crotte de bique Non mais là, 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 je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Là. Non mais comment ça, il est décédé Mais à aucun moment on me l'a dit. À aucun moment j'ai eu la notif. Non mais qu'est-ce que c'est que ça Mais non. Mais 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 what the fuck Eh hey, mais ça me saoule en vrai. J'ai que des bugs dans mon jeu, c'est pas possible. Depuis le pack mariage, je n'en peux plus. Je pète le seum. je pète le seum. Bon, on va donner un bain à Neko. Pourquoi tu pleures mais, mais 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 pourquoi tu pleures T'es bizarre, un peu. Mange un biberon, ça ira mieux. Ah mais il veut même pas boire le biberon. Bah, apaisé. Allez, apaise-le. Nous, pour l'instant on va donner un petit bain au neknek. Tous les gosses là, comment ils sont Comment ils vont Comment comment vont-ils je... Alors, attendez. Euh, elle, je sais pas. Elle parle au lavabo. Bon, elle est un peu spéciale. Hein, de toute façon, eux, ça va. Alors, elle, elle a juste faim. Je pense qu'elle va aller manger. Lui, il va se réveiller. Ok. De toute façon, on est samedi, donc euh, tout va bien. Nous, on donne un bain au petit Moon. Euh, écoutez, je pense qu'on va faire une toile après. Comme ça. On on aura d'argent pour faire la, la dépendance ici. Je sais pas si je colle la dépendance à la maison à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant, ou si je la fais vraiment dépendante. <laughs> je ne sais pas. Et évidemment, on continuera un peu la rénovation parce qu'elle n'est pas terminée. Hein. Ok, le petit Moon, il est propre. Toi, tu vas essuyer ça. Une fois que tu auras essuyé, tira euh, regarder euh, la chaîne décoration d'intérieur, pourquoi pas. Ah, mais elle a envie de faire pipi, Lorena, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe, va faire pipi, va, parce que sinon tu vas nous saouler. <laughs> ah, mais elle a faim aussi, mais j'avais pas vu, mais je m'occupe pas bien d'elle, hein, c'est pas possible. Prendre des restes et après on ira faire la toile. Mais pourquoi il chiale encore Au secours. Mais Lorena, euh, mange. Ah, c'est bon. Vraiment, elle était, euh, elle était perdue. Elle était perdue dans la galaxie euh, de, 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 de ses pensées, quoi. Waouh, c'est beau ce que j'ai dit. Allez, va finir ta toile, je t'en supplie, je t'en supplie, fais de l'oseille. Un petit samni cocooning, comme on les aime, j'adore. J'aimerais bien leur mettre des jeux extérieurs aussi, je sais pas ce que vous en pensez, ce serait plutôt pas mal. Et le lendemain, du coup, ce sera la de Loretta donc on va faire un grand anniversaire quand même pour elle parce que je l'aime bien non mais pas ton assiette là oh cacahuètes et madré mais t'es... Mais t'es bien toi. Toi, t'es bien, je t'aime bien toi. Il s'appelle comment déjà Dylan. Dylan, t'as pas un prénom euh, que j'apprécie, mais je t'aime bien quand même. Bon bah Loretta, comme elle va bien, je pense qu'elle va aller promener. Oh, qu'est-ce que c'est que ça J'ai vu un truc, recevoir de l'amour, ok. Et ensuite, elle ira le promener. Euh, courte promenade, pourquoi pas. Oh, trop mignon, regardez. Oh non, ça bug. Oh, mais quelle horreur. Mais quelle horreur, on dirait que tu te fais exorciser. Et... Ça va pas, hein. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais Toi, 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 tu t'es cru où là Tu t'es cru où Tu t'es pris pour Picasso Non, 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 tu enlèves ça, tu enlèves ça. Allez hop hop hop, Allez c'est bon. Euh, Lorena t'as fini Voyons 820. Mais c'est une toile noire que t'as fait. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un bug C'est une toile noire. Vraiment t'as fait une toile noire. Ah mais il y a pas de lumière dans ta chambre. Eh eh, c'est normal que t'as fait une toile noire. On voit rien. Alors euh... bah oui c'est quand même mieux comme ça. Comme ça c'est quand même mieux. Euh, je te l'accorde c'est quand même beaucoup mieux. Oh il y a fleur à l'entrée qui est là. Tuk tuk tuk. Invité à entrer la pauvre. Bah oui. Allez entre fleur. Viens voir le désordre dans notre baraque. Ok on refait une toile. Cette fois fait mieux que du noir s'il te plaît parce que bon un peu la flemme. Ah bah allez rentrer elle repart aussitôt. Fou, ok. Bah, elle devait pas aller promener Neko. Ah, d'accord. En fait, c'est un concept. Genre, elle le promène, mais pas vraiment. Non, mais elle est con. Hein. Elle est con, hein. Je lui ai dit de le, de le promener. Pourquoi elle non. est pas allée le promener Elle est teubée ou quoi, cette Loretta Loretta, t'as pas la lumière à tous les étages. hein. un Puis moi, je suis pas électricien, alors je peux pas t'aider. Hein. Bon, les enfants, ils jouent tous ensemble. Le bébé, il dort. Il y a Fleur qui aide à faire les devoirs à Cassandra. Franchement, un petit samedi qu'on les aime, quoi. Franchement. Allez, fais-nous un chef d'oeuvre par contre, Lorena. Comme ça, on peut faire la grande dépendance de, de yoga. là. Ce serait pas Mal. Non, mais stop les gens qui jouent du violent devant chez moi. Tu te calmes, Jung Kimura. Ok, déjà. Ok, tu... Hein J'ai beaucoup d'autorité. 941, non mais... Oh, Lorena, tu fais pas des chefs-d'oeuvre. Euh, bon, fais une toile triste, j'espère que ça rapportera. Fleur, ah oui, Fleur, elle est... Bah là, en deuil aussi parce qu'Hector est décédé, donc la pauvre. Qui m'appelle Oh Non, pas toi. Toi, on a déjà eu un bébé de toi, laisse-nous tranquille. Non mais encore un rencard Non mais laissez-moi respirer deux minutes. On sait qu'on est une bombe atomique, mais quand même. Non mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'ils veulent tous J'envisage d'approfondir mon amitié avec Christophe Tanaka. Écoute, j'en ai vraiment euh, rien à péter du slibar. Genre vraiment, tu fais ce que tu veux. Lâche-nous la veste. Tu... tu... Ouais, allez, lance-toi. Voilà, c'est très bien. Oh, mais elle fait plus de chef-d'oeuvre. Non, mais vraiment. C'est pas avec 700 qu'on va te faire euh, un cours de yoga digne de ce nom, Lorena. Quand même, reprends-toi un peu. Tiens, il y a Fleur qui vient t'encourager. Ah, ça, ça va être un chef-d'oeuvre. Ça, je le sens bien. Non, mais Dylan, tu es une as pépitas. Regardez, il essaye de s'occuper du bébé. Par contre, là, le bébé pue la mort. Donc éloigne toi parce que tu vas sentir la même chose. Euh, ça va être compliqué. Bon, on ira le changer après. Hein, J'attends de finir ça. Bon, Fleur est partie. Ce serait quand même sympa qu'il y en ait un qui aille pêcher. Oh, ah non, mais non, mais t'es fatiguée, toi. Mais va faire une sieste. Pourquoi t'es comme ça Les autres aussi sont fatigués. Mais what the fuck Pourquoi ils sont tous fatigués C'est mioche. Bon, Loretta, pendant ce temps, où en es-tu Ah, tu es au bord de l'eau. Trop bien. Euh, non, Fleur, on n'a pas envie d'aller boire hein, le thé de l'amour ou je sais pas quoi, là. Lorena, est-ce que t'as bientôt terminé ta merde Enfin chef-d'oeuvre magnifique incroyable s'il te plaît ok non mais 921 non mais Lorena t'abuses du cul là franchement t'abuses du cul là 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 t'abuses là t'abuses vraiment je, je comprends pas ce que tu fais bon on va un petit peu remonter le social avec euh, Neko ce serait pas mal euh, elle ce serait bien qu'elle fasse euh, le dîner ce serait cool déjà elle va enlever la nourriture gâtée et servir le dîner elle euh, va faire une salade ça va très très vite Etienne a très faim ah oups Oups, oups, oups. Je savais pas, moi. Je savais pas. Je mets un joker et je ferme les yeux. Oh non, mais Dylan dans mon cœur. Oh, mais il est. Il est incroyable, il est incroyable Dylan, il a mis la table, il a mis la table, non c'est incroyable. Ce gosse est incroyable, ce gosse est fabuleux. Je suis désolée, ce gosse, oh là là, il nous fait des câlins et tout, non mais alors là. Alors là mon petit Dylan, tu gagnes des points dans mon cœur, vraiment tu gagnes des points dans mon cœur. Toi par contre tu gagnes pas, va t'asseoir pour manger au lieu de parler au frigo, non mais oh. Dylan ma pépite, toi t'es pas du tout ma pépite, toi tu me saoules au plus haut point, tu m'énerves Ah, Loretta elle est allée s'en occuper, ça c'est très bien. On va un peu le bercer, peut-être qu'il chouinera moins. Ce gosse Affreux. On va aller aux toilettes en haut. C'est la première fois que je vois Lorénal aux toilettes en haut. Wow, on va les tester pour la première fois. Ok, bah c'était pas foufou. Hein. Et je pense que du coup elle va pouvoir aller se coucher ou alors faire une dernière toile avant d'aller se coucher. Pourquoi pas. Loretta, euh, demain c'est ton anniversaire. Oh, c'est aujourd'hui Non, c'est demain. Ok. C'est demain donc écoutez, euh, elle va aller se coucher hein, parce que, bah, elle est fatiguée quoi. Toi euh, va dormir. Toi va dormir. Et vous allez dormir, clairement. Quoi Mais non, on va dormir toi aussi. Tout le monde va aller se coucher. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oh là là, c'est génial. Oh Il va grandir le gosse Là. Il va grandir ce gosse là Oh non mon dieu Oh mais quelle horreur Bah alors là Là c'est la décadence hein. Là c'est la décadence euh, Je suis en PLS Carrément je suis en PLS d'avance Non mais regardez-le Ce petit mimi Il est trop mignon Bon il a une queue On dirait une saucisse mais bon, c'est pas grave. Ah oui, va, il a été vexé. Par contre, tu mets des poils partout. Oh là 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 là. On va devoir acheter un aspirateur robot. Hein. Oh, regardez, c'est l'été. On va passer en été. Oh, j'adore l'été. C'est trop bien l'été. Oh, il y a Timothy qui vient nous parler. Il est en colère. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh. Tu m'étonnes que tu sois en colère. Ouais, t'as fait euh, vraiment euh, le compteur des bébés à cause de toi. On savait pas où on en était. Ah non, je joue pas de violon. Pourquoi tous les gens qui viennent me voir me jouent du violon Genre, euh, j'ai une tête à aimer le violon. Je Même Neko n'aime pas. Donc, euh, stop, au bout d'un moment. Hein. Allez, un petit chef-d'œuvre, un petit chef, Lorena, je t'en supplie t'en supplie. Oh, yeah. 2000, c'est tout. Lorena, tu régresses. Lorena, tu régresses. Tu... Là, elle me déçoit. Franchement, tu me déçois. Timothy, non, mais il vient de squatter mon lit. S'il te plaît. Non, mais alors là, on aura tout vu. Franchement, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Non, mais va-t'en. Voilà. Merci. laissez moi que... clamser, j'allais dire. Pas du tout. <laughs> non. Timothy, franchement, tu nous casses les ailes. Tu peux pas... Ah, t... oh, il m'énerve. Je sais pas, va t'occuper de ton frère là. Bon, je sais pas. Ah oui, bah oui. Non, mais vraiment. Un fantôme qui boit du lait. Non, mais alors là, on aura tout vu. Non, mais là, là, là. Là, là, là ça va pas, tu déconnes. Là tu déconnes. Quoi T'as cassé les toilettes aussi Et franchement, là je suis pas bien. Là je suis pas bien. Comme dirait Maître Gims, là je suis pas bien. Euh... Je pense pas mettre Gims qui chante ça, je. Enfin, je crois, je sais pas. Je n'ai aucune référence musicale à ce niveau-là. Voilà, Neko il joue dans les flaques. À cause de qui À cause de Timothy et eh oui, et ça rime en plus. Ah, il nettoie les poils. Il nettoie les poils, je peux rien dire. Là, il est utile. Un fantôme utile. Je recommande. Ouais, je mettrai 5 étoiles sur TripAdvisor. Ah, toi, tant que t'es élevé, tu veux pas aller. Euh... Ah, il a plus de flaques Ah, ok, il les a toutes euh, aspirées. D'accord. Bah, Dylan, euh, tant que t'es élevé, tu vas aller regarder un petit peu euh, la télé. Parce que t'es adorable. Genre, t'es notre enfant préféré de la vie. Vraiment, Dylan, mon gros coup de cœur. Vraiment, euh, je l'adore. 5 étoiles aussi sur Tripodvisor. Non mais Timothy fera le chemin. Au lieu de squatter mon lit là. Sérieux. Bon toi, réveille-toi, s'il te plaît. Tu vas aller t'occuper de ton frère parce qu'il est insupportable. En plus, tu déménages aujourd'hui. Donc, euh, un, un dernier effort, ça te fera pas de mal. Hop, tu prends une douche, tu vas aux toilettes, tu t'occupes de lui. Ce sera parfait. Non mais regardez, Dylan, il est adorable. Il discute avec Timothy. Genre, il est trop chou. Genre, il est trop mignon. Moi je l'aime trop. Non mais les gars, il joue même avec Neko. Mais cet enfant, cet enfant est merveilleux. Par contre, l'autre, il me casse les oreilles. Je veux pas te taire, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a T'as un pyjama avec un ba... une... une banane et un singe. Tu devrais être heureux, je sais pas, moi. Et allez, toi, t'as encore cassé ça. Non, mais franchement, franchement, on n'en peut plus. On souffle. On souffle, en fait. On en a marre. Ouais, c'est l'été. Non, la journée des farces, je n'en veux pas de la D. Hop, 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 on s'en va. Oh, tes mérite, Qu'est-ce que j'ai fait ah bon? Ah, je sais pas. Donc, ouais, aujourd'hui, anniversaire de Loretta. À ce niveau-là, elle va déménager, donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'on va faire l'anniversaire le midi. Comme ça, au moins, elle dégage le plus vite possible. <laughs> Et nous, on peut aller chercher un, un nouveau papa hein, pour faire les petits babies. Bon, je vais un petit peu nettoyer. Pourquoi je peux pas nettoyer ça? Mais non, mais je veux nettoyer, c'est ça Oh là là. Bon, bah, je peux pas nettoyer. Super, c'est vraiment. Euh... Non, mais ça fait crassouille, oh là là. Bon, je pense que du coup, je vais commencer à faire l'événement social parce que c'est très long après à faire le gâteau, etc. Alors, fête d'anniversaire, parfait. Sim célébrer Loretta. Invité, alors, invité, ben, on va inviter les papas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et fleurs, ah, super, super génial. Oh, et lui, il nous a fait accoucher la dernière fois, mais ça va être notre futur papa. Voilà, c'est lui, c'est décidé, je le veux. Je le veux dans ma team. Et on va faire euh, ben, ici, hein, chez nous. Voilà, parfait. Et je vais Cuisiner avec Loretta, on va faire du coup le gâteau noix de coco. Celui-là, il est un peu il est un peu hanté. En sachant que c'est comme ça que Timothy est mort. On va éviter de le faire. On va faire le gâteau au chocolat simple. Voilà. Comme ça, ce sera bon. Loretta, elle va m'aider. Toi, t'as cassé le... Oh, pétard de Dieu. T'es es pas maline. T'es vraiment pas maline. Hein. Je, je sais pas comment t'as fait. Nettoie ça, s'il te plaît. Merci. Bon, elle ne veut pas cuisiner. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, cuisine toute seule. Hein, euh, comme une pauvre fille. Allez, cuisine. Ok, elle va faire le petit gâteau. Euh, Est-ce que tout le monde arrive, genre? Ah ouais, il y a Fleur qui arrive. Oh, Etienne a grandi. Mais j'avais même pas vu. Puis y a Fotus volant dans l'air, je, je comprends pas. Je... C'est quoi ça C'est le nouveau euh, ballon de basket de la NBA Qu'est-ce que c'est Oh, super, super. Non, mais génial. Ok, il a grandi. Allez, trait de caractère aléatoire. Angélique. Waouh Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Puis en plus, t'as un petit look mignon. Alors, on va te laisser comme ça. Par contre, t'as des chaussons un peu poilues. Mais bon, euh, on, on va dire que ça va. On va dire que ça va. On le relookera après en même temps que, que le reste. Non, 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 monsieur. Non, non, non. Je comprends pas. Là, là je comprends pas cet acharnement à faire du violon euh, chez moi. Je, je sais pas. Je comprends pas bien. Ok bah Loretta, viens souffler les bougies, c'est parti Jeune adulte, allez let's go Trop bien Wouhou, trop de caractère aléatoire Oh il était crasseux, je savais même pas Machine à danser, bah pourquoi pas pourquoi pas Elle a pété, elle a pété à son anniversaire. Non, franchement, franchement, les Sims, non, vous abusez. Vous abusez. Oh, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est J'ai eu un appel et je sais pas. Ils sont tristes parce qu'il y avait un décès. Quel décès Je sais pas. Franchement, les décès, ça bug de ouf avec moi en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Lui, waouh, il est dans le verre. C'est incroyable. Un bambin dans le verre, c'est vraiment précieux. Genre vraiment, c'est mon précieux. Je sais pas ce que je dis, mais je le dis. Mais arrête de péter, elle a encore pété. Mais bah Ok, il est où euh, Kenushi là Il est là. Ok. Allez, à l'attaque, à l'attaque. Euh, non, d'abord, faut faire trouver un emploi à euh, Loretta, trouver un emploi et ensuite elle déménagera. Mais nous, on va quand même euh, commencer à faire connaissance avec lui. Qu'est-ce t'as à râler Qu'est-ce qu'il y a Bah oui, c'est la vie adulte. Bah oui, c'est ça, faut trouver un emploi. Allez, let's go, let's go. Alors, elle, je la vois bien, euh, je sais pas, avec son style. Oh, je sais pas du tout. Influenceuse de style, peut-être. Ouais, allez. Ok, influenceuse de style, c'est parfait Et elle répète et tu pètes, et tu pètes. ouais. Euh... Oh, bah oui, ça pue, bah oui, logique, logique en fait. On la fera déménager après parce que là, il y a un événement en cours donc on ne peut pas. Mais on va commencer à faire connaissance du coup avec Kenushi qui est juste là. Il est venu avec nous. Il a un petit style quand même, il a un petit style. Il est aventureux. Oh, bah c'est bien ça, monsieur Kenushi. Vous avez des petits piercings et tout. Non, j'adore, j'adore. Alors lui, il est vraiment désespéré. Lui, il est en mode, mais qu'est-ce que je fous là Genre, il y a ma fille en face qui me parle. Mon ex qui est en train de draguer un autre à côté de moi. En plus, c'est le mec qui l'a fait accoucher. Qu'est-ce que je fous là Bah voilà, je m'en vais, je me casse. <laughs> non, vraiment, c'est pas facile. Hein. Il est en colère. Pourquoi il est en colère, Kenushi Ah non, il est énergisé, c'est bon. On va lui offrir un petit cadeau romantique. Je vais lui offrir un tapis de yoga. Ah, c'est très romantique. Voyons s'il aime bien. Tu veux des cours particuliers <rire> <Non>. <rire> C'est dégueu. Oh, il nous offre une rose, parfait. Alors, elle a beaucoup d'actions mais là, mais elle est tellement triste qu'à mon avis, ça va pas être enfin, ça va pas être pour maintenant. Ça va pas être pour maintenant. Hein. Ah, il est enjoleur c'est tellement dommage, c'est chiant. Premier baiser en plus on peut faire hein, mais elle est trop triste. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, non, ce sera pas pour aujourd'hui. Oups oups, 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 oups. Cadeau romantique, on a rien. Ah bon, on a la rose qu'il nous a donnée, peut-être que ça va la rendre enjoleuse, c'est parti. Non, ça marche pas. Par contre, est-ce que quelqu'un peut venir nettoyer ça, c'est de la grosse merde. Merci. Bon, en en plus, elle a envie de faire pipi. Je pense qu'on va un petit peu descendre au niveau de la tristesse. Et ensuite, on, on ira le revoir. Parce que là, c'est pas possible. It's impossible, hein. Voyons si elle se donne des paroles d'encouragement, si ça va baisser un petit peu. Ouais, non, pas tellement. Ça baisse, hein, ça baisse, ça baisse. Ok, ça va baisser. Oh non Ok, vite, faut le réinviter. Il est où, il est où, il est où, il est, où il est là. Allez, viens, 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 viens. SMS de drague, pourquoi pas Proposer un rancard, on va le proposer chez nous. Hein, dans le fameux buisson de l'amour. <laughs> eh oui, oui, oui. Il oui. y a quelqu'un qui m'a dit que je faisais un sans bébé buisson challenge. Mais c'est vrai, tous mes bébés sont quasiment conçus dans des buissons. Super. Bon, il est où Il est pas là Ah, il est là. C'est lui Mais non, c'est pas lui. Ça, c'est Mathieu Dominguez. Ça n'a rien à voir avec Kenushi. Bah, il est où Mais il est où C'est pas à toi que j'ai demandé quand même. Mais non, mais je te connais pas. Mais qui es-tu Tu as le tutu Il est en haut Non, il est pas en haut. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça Non, là, je comprends pas. Là, je comprends. Là, je comprends pas. Là, je suis perdu. D'accord, je lui ai proposé un rencard à lui. Il est où Il est où Je peux lui envoyer un SMS, mais il est où Ah, il est là. Mon Bon, allez, c'est parti. Premier baiser, voilà. Allez, non, on perd pas de temps, on est comme ça. Hein. Voilà, parfait. Bon, euh, tu veux faire un bébé dans le buisson Ce serait cool quand même. Bon, on va le complimenter, etc. On va pas perdre de temps. Non mais toi, euh, je sais pas t'es qui, mais t'es bizarre. Hein. Ok, ok, c'est bon. Normalement, c'est bon, non ah, Non, toujours pas, toujours pas. Il est un peu shy, il est un peu shy, il est un peu shy. Allez, draguez-vous, c'est parti. Ah Stop, 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 stop. Là, vous me le crier depuis je sais pas combien de temps. En effet, on n'a pas fait déménager Loretta. C'est pour ça qu'on peut pas faire de bébé hein. <laughs> Ça me paraît logique Sarah. Bravo. On va essayer de le garder sous notre veste. Okay. Hop, OK. Non, non, euh, t'en vas pas avec Neko ni avec mes gosses. Euh, on va te donner un simflou symbolique. Enfin, voilà. Je pense qu'on va la faire déménager en centre-ville, Loretta. Hein, parce qu'en plus, elle est influenceuse de style et tout. On va la faire déménager dans le quartier de la mode, là. Hop, à San Michuno. Parfait. Ok, tu vas habiter, du coup. Euh, bah, je sais pas. Hein. Ici, pourquoi pas. Tu l'expules, Lot. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah non, c'est pas meublé. J'aime pas quand c'est pas meublé. Ça me stresse. Est-ce que ici, c'est meublé Oui. Allez, t'habites là. Parfait. Ok, voilà, Loretta dans sa nouvelle vie. Et nous, on va. Bah, repartir dans la nôtre. Oh non, il est parti. Ça y est. Oh là là là. Vite, faut le réinviter. Faut le réinviter. C'était sur le point d'aboutir là. Ok, il arrive. Il arrive. Il arrive. Allez, viens. Comme ça, on fait un petit bébé. Et comme ça, on peut construire la dépendance de Lorena. Ok, c'est bon. T'es là. Oup, oup, oup. Euh, faire crac crac. Essayer de faire un bébé dans le buisson. Allez, le son bébé buisson challenge. C'est parti. <laughs> allez, allez, allez. C'est parti. Accepte, accepte. Il veut pas Non. Il a pas voulu. Mais bah, Kenichi, quand même. T'es trop classe pour aller dans le buisson, c'est ça Ah non. <laughs> ça. et c'est ce qui me semblait, hein, coquinou. Bon, toi, tu dors. Ok qui euh, est, okay. toi tu vas aller dormir bientôt toi aussi, et toi t'es très fatigué bah au lieu de casser les bonbons tu vas aller nous faire une sieste en fait, ah tu parles à Neko trop mignon, ah tu l'as un peu écrasé là mais bon euh, est-ce qu'il n'y a pas un gosse qui peut aller remplir la gamelle de Neko voilà ce serait bien, et ensuite aller aux toilettes parce que là tu as envie de pisser et c'est pas possible, hein. bon Lorena ça se passe bien, bah oui mais ça a l'air, hein. on va refaire une deuxième fois pour être bien sûr parce que j'aime pas recommencer, ok d'accord petit test de grossesse par la suite et on revient vers toi Kenichi. Euh, on s'appelle on fait une bouffe, ah non mais il y a Neko qui Regardez, c'est pas possible. Oh, il nous a amené un cadeau! Trop mignon, on ira l'ouvrir après. Oui, elle est enceinte. Let's go. Euh... Trop bien, trop bien, trop bien. On va aller ouvrir le cadeau de Neko qui nous a offert. Alors attendez, hop, un oiseau préhistorique. Ok, d'accord. Bon, en vrai, on va pouvoir le mettre là. Voyons si c'est pas. Ah ouais, non, c'est trop gros. On va le vendre. Non, non, Moumoune, tu nous as offert un truc là assez balèze. Ah, hein. oh, il s'est fait mordre par un écureuil. Il est où Pourquoi ce gosse s'évanouit là Ah, il a pas de lit. <laughs> bah ouais, bah du coup c'est pas, pas pratique quoi. Euh... Alors, un lit pour le mioche. Qu'est-ce qu'on va lui prendre Bah celui-là, hein, le moins cher. Euh, ouais, mais on va le mettre parce qu'il va être relou de ouf. On va le mettre à côté de nous hein. quand il se réveille et tout ce sera mieux. Hop, allez, va dormir. Nous, on dort parfait. Euh, lui. Bon, il s'occupe de lui. Toi, tu fais quoi là Toi, tu vas aller dormir aussi. Toi aussi. Et tout le monde dort comme ça. Tu fais quoi toi Non, non, non. Toi, tu vas aller dormir. Tout le monde dort, les mioches. C'est parti. X. Ah, mais Neko, faut qu'il aille chez le Veto là. Hein. Ah, bon, on va aller chez le Veto. On va aller chez le Veto avec le Moumoun. C'est parti. X. Ah oui, c'est s'est par un écureuil. Oh. Allez, let's go chez le vétérinaire. Ça m'arrive pas souvent. Hein. C'est la première fois qu'on va chez le Veto avec Neko. Bon, le Veto, il est euh, à Brinanton Bay. Je sais toujours pas le dire. Si on te Hop, c'est parti. J'espère, j'espère. Père. Par contre, que comme là on part le soir, quand je vais revenir, ils vont pas être tous dans le verre en mode pompé up c'est la fiesta à 3h du bar, on est réveillé Non, mais parce que, hein, je connais les Sims, je connais. Mais à 23h48, on va rentrer, vous allez voir, ils vont tous être réveillés là. Euh, je connais, je connais. Alors, inscrire Neko pour soigner une maladie. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, Kana, il est mignon, regardez-le. Il est trop rigolo. Allez, on va l'inscrire. Mais qu'est-ce que tu fais Mais non, mais on voit pas un message. Ah, voilà, ok. Ok, Neko, il va arriver. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça euh... Bah voilà, quand il y a plus d'électronique. Électricité, toi, t'es serviable comme chien. Bon, Neko, il est où Je comprends pas. Ah, il va être là-bas. On va aller regarder ce qu'il lui fait. On va s'asseoir là, je pense. Ok, bon, monsieur, qu'est-ce qu'il a Mon chien, là, qu'est-ce qui se passe hein Ah oui, il bave à la mort, là. Hein. Faut faire quelque chose. Hein. Vous comptez rester comme ça longtemps Ah, voilà, merci. Ok, traitement basique, traitement coûteux. Bah, traitement coûteux, hein. Ok, voilà, il est tout neuf, c'est parti. On peut rentrer, alors. Attendez, je vais me présenter à lui. Comme ça, au moins, on l'aura dans nos contacts. <laughs> Hop là, il faut penser au challenge avant tout. Hein. Ah là, Soso, -so, ouais, Soso, t'es pas prêt. Allez, et on rentre. <laughs> vous allez voir qu'ils vont être tous dans le verre. Ça va être. Et, je le... Et ça va m'énerver. Je vous jure, ça va m'énerver. On les a tous couchés avant de partir. Ils vont être tous être réveillés en mode sur l'ordi, devant la télé, en train de jouer. Attendez. Attendez. Voilà. 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 On fait une pause. Dans le verre. 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 Lui, il va être insupportable. Il est réveillé. Je vais clams. Je vais clams. Clairement, je vais clams. Euh, toi, on va te coucher. C'est l'heure de dormir, en fait. Pas. Euh, je sais pas. Il est 2h du bar. Tu vas te coucher, en fait. Genre, tu cherches pas. Tu dors. Voilà. Tout le monde dort. S'il vous plaît, merci. Lui va se réveiller, vous allez voir, parce que bah voilà, c'est l'heure de se réveiller, qu'est-ce qu'ils ont eu François Mukarami est décédé. C'est qui François Pourquoi il n'y a que vous deux qui le connaissez C'est bizarre ça. C'est qui celui-là Ah mais Lorena, elle va pas bien du tout en plus, hein Oh Ça va pas hein Mais pourquoi tu fais des abdos On dirait moi à 3h du matin, quand j'arrive pas à dormir, fais dodo Bah on me dit que le, le téléphone, il sonne du bon bambin, mais on me dit qu'il n'y a pas de téléphone en même temps. C'est un peu problématique, du coup, en fait. Genre... Euh... <laughs> Les joies des bugs. Bon, ok, va faire pipi, va te laver, vraiment, va te laver. Tu n'en peux plus. Bon, le bambin, il est un peu dans le verre, donc ça va pour le moment. Ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va enlever les... nourris... Les, les... j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Ah mais bah Ah bah bravo. On va enlever la nourriture gâtée, je disais. Et on va servir le petit déj Ce serait bien. Ah mais elle s'est pas lavée. Pourquoi elle s'est pas lavée Je lui ai dit d'aller se laver. Bon, c'est pas grave. Elle en bombera la pièce. Hein. Ok, appel à table, comme ça tout le monde vient. Ok, tout le monde va venir pour graille. Super. Et Lorena, tu vas aller te laver. Le berceau, on va le laisser, vu qu'elle va avoir encore un bébé. Hein. On va jouer un petit peu avec Neko. Le bambin, il... Est dans le verre, franchement, ça va. Et du coup, on va voir pour commencer à faire la dépendance euh, pour faire les cours de yoga. Alors, je pense que déjà, on va la mettre ici. Ça va pas être un énorme truc, les gars. Hein. Faut pas non plus qu'on fasse un gros gros truc parce qu'il faudrait quand même qu'on garde de la place pour la piscine. Et là, ça va être chaud cacao. Euh, ça, je pense qu'on va l'enlever. Hein. Ça va rien nous rapporter du tout. Euh, hmm. Je pense qu'on va la faire ici, la dépendance. Pour une petite salle, tu vois. Mais je sais pas si je la raccroche à ça. Je sais pas si je la raccroche à la maison en mode euh, bah, c'est la pièce de, de l'oreille. Quoi, parce qu'en termes de, de structure, c'est pas dégueu non plus, tu vois. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Hein. C'est juste que là, ils perdent une fenêtre, mais bon, c'est pas si grave que ça. Genre, tu fais ça en termes de fenêtre, ce serait intéressant de faire comme ça. Par contre, c'est hyper sombre là. Qu'est-ce qui se passe? Je déteste quand c'est comme ça, mais bon, ok, hop, hop, faut quand même que ce soit lumineux, genre, je pense. Ok. En termes de lumière, pareil. Il faut quand même que ce soit lumineux. En termes de porte, j'aimerais bien mettre une porte qui montre que c'est un atelier, quoi. Que c'est l'atelier de Lorena. Enfin, l'atelier. Que c'est euh, le, le truc de Lorena, quoi. Ça, ce serait, euh, hein. serait pas mal pour l'extérieur, je pense. Ce serait pas mal pour l'extérieur, ça. Et pour l'intérieur. Tchouk, euh... tchouk, tchouk. Non, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ouais, je préfère. Ça, pour l'extérieur, c'est mieux. En plus foncé, du coup, parce qu'on a une maison quand même foncée. Ouais. Mais à l'intérieur, je sais pas trop ce que je veux mettre. Peut-être ça, hein. Peut-être ça. Mais ça, ce serait intéressant du coup au... en fait ça ce serait le passage de Lorena et ça ce serait le passage pour les clients vous voyez ça pourrait être pas mal en termes d'escalier on va mettre un tout petit escalier escalier c'est un nouveau mot ouais voilà un petit escalier comme ça pas mal en termes de mur bah je pense qu'on va faire un peu dans la continuité hein. on va pas trop s'embêter ok en termes de toit hop on va dupliquer ça et on va le mettre ok oh non c'est cute franchement ça c'est la petite dépendance non j'aime bien j'aime bien franchement c'est plutôt pas mal ça fait une petite dépendance après en termes de déco à l'intérieur je sais pas du tout genre je pense qu'il faudrait quand même avoir plein de miroirs ici. Donc je vais déjà les mettre pour me faire une idée. Genre, euh, vous savez, les grands miroirs comme ça. Je pense que ça c'est obligatoire. Genre, il faut en mettre. Il faut en mettre. Comme ça, ouais. C'est quand même obligatoire, je trouve. Hein. Bon, le mur, aucune idée. Genre vraiment, faudrait que ce soit quand même assez cosy, assez nature, etc. Mais en vrai, la couleur, j'en ai aucune idée. Genre vraiment, c'est... Oh je sais pas du tout. Hein. Je sais pas s'il faut que ce soit coloré ou genre euh, cocooning. J'en sais rien du tout. Genre vert peut-être comme ça, ouais. Au sol, de toute façon, je pense que je vais mettre ça. Pas mal. Ouais, 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 ok Et de toute façon après, bah des tapis de yoga quoi Ça me semble évident, bon le tapis de Lorena, on va le mettre Noir, on va dire que c'est euh, le tapis euh, bah, de la prof quoi, et je pense que on va mettre un, deux, trois, quatre Tapis, quelque chose comme ça, ah il y a pas Trop de place par contre, alors attendez Si on le met comme ça, je crois qu'il y aura Pas la place, hein. on va tester, hein. on testera De toute façon, oh celui-là il est tellement rigolo J'aime trop, ouais alors on va Un peu plus espacer, genre comme ça Ok, d'accord, et plus tard Je pense que on évoluera ça dans le Sens où elle fera des massages, etc. Euh, je pense que ça peut être peut-être pas mal. Mais pour le moment, on va tester si le yoga ça fonctionne bien et si ça vous plaît, genre. En termes de déco, je pense qu'il faut vraiment rester sur les plantes. Je pense, à hein, mon sens, c'est mieux. J'aurais un petit décor quand même assez plantes, assez, euh, assez nature, etc. Et là, j'aimerais bien trouver des affiches ou quelque chose. Ou alors un porte-manteau, ce serait plutôt pas mal, ouais. Porte-manteau, ouais, ce serait vraiment pas mal, ça, par contre. Ouais, ouais, ouais. Hop, comme ça. Uh -huh. Dans le désordre, pourquoi pas mettre les chaussures ou les choses comme ça. Ah ouais ouais ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien comme ça. Ça va être trop trop bien. Ah je suis à fond là. Là je suis à fond. Vous m'avez perdu. Ok, d'accord. Après en termes d'affiches, etc. Je pense que j'ai pas envie de trop surcharger. Euh, peut-être Ouais, mettre un truc de sortie de secours. Voilà, ici. Oh trop mignon, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça aussi, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal à mettre. Mais où est-ce que faut pas trop que ça soit surchargé non plus, hein. Ouais, non, on va pas trop surcharger. Après, ça j'aimerais bien le mettre aussi pour genre les horaires de cours, etc. Pourquoi pas? Donc, ça, on va le baisser un petit peu. Je sais pas trop en fait. Là, ouais, si, pourquoi pas? Comme ça, là, il y aurait les horaires de cours, etc. Ce serait pas mal, hein. Puis ça, j'aimerais bien le mettre. Ça fait un peu RP, mais il est un peu gros le truc. Genre si je le mets comme ça, ouais. Ah, j'aime bien. Non, je pense que je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça, ça fait un peu too much, genre. Ouais, ça fait un peu too much. Hein. Je pense qu'il faut pas trop surcharger. Je vais, je vais laisser comme ça. Oh, ça, par contre, it's so mignon. Je l'ai pas mis dans ma maison, voilà. <laughs> mais euh, ouais, la salle de yoga du coup est prête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trop hâte de voir euh, Lorena donner des cours. Alors je vais vous montrer comment on va faire pour donner des cours. Ça va pas être bien compliqué. Le souci c'est que ça pourra pas être des vrais cours. Je alors attendez déjà verrouiller la porte pour tout le monde sauf Lorena ça c'est sûr et là pour tout le monde sauf euh... ah là 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 là, là. <laughs> je pense qu'il faut le groupe on va faire un groupe on est d'accord ok on va Créer un groupe. Hop, de yoga. Donc on va écrire club. Euh, non, pas club. Club de yoga. Voilà. Ici, on va mettre quoi On va mettre... Euh, oh, je sais pas du tout ce qu'on pourrait mettre. Bon, on va mettre ça. Lieu préféré, bon, on va mettre chez moi. Hein. Et en membres, on pourrait mettre déjà des gens euh, qui font du yoga. Qui ont une tête de yoga. <laughs> pas elle. Elle, elle Plan, Elle tout le temps. Bon, en gros, voilà, on va mettre des gens euh, au pif, quoi, là, Elle aussi. Elle, pourquoi pas Elle aussi. Et voilà. Euh, fleurs pourquoi pas pourquoi pas ah non on peut pas ah oh, dommage bon bah c'est pas grave ok alors exigence. Euh, il faut quand même être jeune adulte pour entrer oh, on peut pas ah et adulte aussi ok jeune adulte et adulte euh, après le reste on s'en fout Quoique, non euh, on va dire que c'est pour les femmes ah, on peut pas choisir le sexe de la personne ah oh, bah, oups alors activité alors là il va falloir choisir l'activité du groupe donc euh, activité d'intérieur est-ce que c'est là dedans non loisir méditer euh, bah y a pas le yoga hmm. y a pas le yoga les gars, méditer c'est pas tellement du yoga hein. je suis désolée, Attends, je regarde ici ouais bon, bah on va dire que c'est méditer, je comprends pas trop, qu'après le reste on s'en fout un peu genre, et le social, euh, être amical voilà, ça c'est sûr, ce qu'il faut pas, euh, on va dire que c'est peut-être, ah il y a le yoga, c'est dans quoi du coup loisir, ah mince, mince mince mince. je l'avais pas vu, ah c'est ici d'accord ok, bon bah voilà, ça c'est les seules conditions, donc voilà, le groupe de yoga est fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer du coup de faire euh, bah écoutez, un, un coup euh, alors attendez, groupe. Tout le monde sauf les groupes. Attends, tout le monde sauf. Voilà, ok, parfait. Donc là, la porte elle est verrouillée pour tout le monde sauf le groupe. Donc on va faire commencer une réunion, d'accord Oh, on peut même choisir les tenues. On peut même choisir les tenues. Donc c'est ce qu'on va faire. Oh, mais c'est trop bien. Ça, c'est vraiment des aspects des Sims que j'aime bien redécouvrir parce que je le fais jamais. Et ça va peut-être vous donner des idées pour jouer, etc. Donc pour faire le yoga, on va dire que ça, ça va être un peu notre t-shirt de groupe, vous voyez. Avec, hop, le petit truc comme ça. Pourquoi pas Ou alors on met tout simplement un cycliste genre ouais genre ça ça c'est pas mal hein. comme ça ouais et le haut je pense que je vais laisser ça ou alors on met un t-shirt comme ça genre euh, pourquoi pas à ce niveau là des petites baskets ok pas mal oh genre je peux mettre des cils à tout le monde venez on met des cils à tout le monde parce que sinon euh, <laughs> ça va pas et au niveau du chapeau ce serait bien qu'on ait tous une petite casquette ce serait mignon vous trouvez pas ok bon on va dire que ça c'est bon on va voir comment elles vont arriver hein. et en fait ce qu'on va faire c'est que bon évidemment ce sera pas rémunérateur euh, avec le jeu hein, mais on sera ajoutera à chaque fois, qu'est-ce que vous pensez de 200 Simflouz pour chaque cours En sachant qu'elle en fera peut-être un tous les deux, trois jours. En fait, ce sera quand on aura du temps libre, hein. donc euh, on verra, vous me dites. Qu'est-ce que... Ah, j'ai cru qu'il était habillé comme le groupe de sport, je comprenais pas <laughs> euh, Qu'est-ce que vous pensez Ouais du salaire de 200 par, euh, par cours Dites-moi, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui qui prennent les cours et sont cinq, donc ça me semble pas trop euh, exagéré, quoi. Bon, on va voir déjà si ça marche, si, euh, écoutez, elles viennent faire du sport ou quoi. Ok, trop bien Ça marche, ça marche, ça marche Par contre, le souci c'est que là elle est enceinte on est d'accord donc euh, it's un peu compliqué <laughs> c'est un peu compliqué mais c'était surtout pour tester, euh, pourquoi tu fais de la guitare toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ok mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien donc quand elle sera euh, bah, pas enceinte, les moments où elle sera pas enceinte elle pourra faire des vrais cours de yoga quoi et ce serait plutôt pas mal, euh, Loretta qui veut qu'on lui rende visite, non pas trop, par contre dans le groupe on va enlever le fait euh, de faire de la guitare parce que franchement it's euh, pas possible genre non non non, genre on va enlever tous les trucs qui ont rien à voir tu vois genre euh, pff, je veux de la la guitare, jouer du violon, ouais, faut le mettre parce que franchement, les gens qui jouent du violon, je n'en peux plus. Ok, bon, on va mettre ça à la réunion. Et déjà, on sait que ça marche, on sait qu'on peut le faire, on sait que c'est cool et euh, ça, c'est trop trop bien déjà. Bon, là, du coup, je vais pas me mettre de salaire hein, parce que j'ai rien fait donc euh... <laughs> ça vaut rien quoi. Par contre, c'est pas très beau les miroirs de ce côté, hein. Ouais, ça, il va falloir que je l'arrange. Hein. Ça, ça me stresse un peu, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, attendez, on va les mettre de l'autre côté pour pas que ça me perturbe et ça, tant pis, on va l'enlever, hein. Pas besoin non plus de 10 000, euh, 10 000 fenêtres. Ok, voilà, c'est beaucoup mieux que. Comme ça, c'est plus épuré. Je préfère largement. Bon, ce gosse, qu'est-ce qu'il a euh, Rien. Bah très bien. Il va bien en fait. Bon, Lorena, elle va aller faire euh, une petite sieste. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire Bah va jouer avec un jouet. Jouer dragon redoutable. Ok. On va mettre à manger à écho et on va nettoyer la touffe de poils. Ce serait bien. Ça aussi. Ok. Très bien. Ça, on va le nettoyer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Il Y a quelqu'un qui a fait à manger Ah, mais c'est le truc de ce matin. Ok. Encore lui qui nous appelle. Euh, tu as vraiment bien fait de me recommander de passer du temps avec Christophe. Bah pff, on s'en fout. Vraiment on s'en fout de ta life. Euh, Laisse-nous tranquille. Euh, merci. Fleur qui nous appelle. Euh, en fait j'ai trouvé une bague dans le sac de Christophe. Je crois qu'il va me demander en mariage. Je ne sais pas quoi faire. Ah trop bien. Qu'est-ce que je devrais répondre Oui non. Oh, Fleur Elle va se marier. Trop bien. Ah c'est trop mignon. Oh, du coup, Fleur va se marier. Alors là, je suis un peu choquée, je vous avoue. Mais c'est qui son mec Je comprends pas qui c'est. Ok, ils sont tous rentrés de l'école. Parfait. Qu'est-ce qu'il a, lui Ah, il est sale. Oh là là, bon, on va lui donner un bain. Allez, va lui donner un bain, Lorena. Oh, ça commence vraiment à faire grand ici. Hein c'est trop cool. Hein Les enfants, ils sont tous rentrés. Euh, J'aimerais bien leur acheter des jeux d'extérieur, genre des balançoires, des choses comme ça. Euh, je pense que je vais leur mettre euh, une balançoire à ce niveau-là. Ce serait pas mal. Ah, mais ça, ça gâche l'entrée de, de mon club de yoga. Bah, ici, alors, ici ce serait cool. Hop, voilà. Et je pense que j'aimerais bien mettre une piscine aussi pour le bambin. Enfin, pour les bambins. Ici peut-être. Ce serait chouette. Ah, mais non, c'est l'entrée, je suis con. Euh, ça, c'est à côté de la poubelle, c'est pas fou. <laughs> Et là, euh, c'est un peu à l'ombre. Ouais, non, j'aime pas. Bon, de toute façon, on mettra la grande piscine plus tard. Hein. Bon, en vrai, pourquoi pas comme ça hein. Pour l'été, c'est pas mal. Hein. Oh non, mais c'est trop mignon, regardez. Non, ils sont trop choux. C'est trop trop bien, j'ai trop bien fait de mettre ça. Et là, voyons, on peut mettre le petit dans la piscine. Ça, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Qui es-tu, toi Qui es-tu, qui es-tu, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu viens faire chez nous Oh, regardez, c'est grave, Kiki. Non, c'est trop mignon. Ça, c'est trop trop chou. Hein. Voilà. J'aime trop l'été c'est trop mignon. Non mais regardez-moi ça. C'est pas adorable, genre J'aime trop, j'aime trop. Bon, toi, je sais pas t'es qui. Pourquoi t'es là je... je comprends pas trop. Bon, vais quand même faire une courte promenade à Neko parce qu'il me fait vraiment de la peine là, le pauvre. Ok, le petit, je pense qu'il va aller faire une sieste parce qu'il est vraiment fatigué. Et là, pour faire une petite courte Promenade à Neko, on s'en va. Euh, lui, qu'est-ce qu'il a Ah, bah, elle va te doucher. Pourquoi tu vas dans ton lit tout sale, Berk Elle aussi, faut qu'elle aille se laver. Elle, ça va. Et lui, ça va. Il fait il vit sa meilleure vie sur la balançoire. Lorena, par contre, elle va s'évanouir par terre. Je le sens bien venir, vous allez voir, ça va me saouler. <laughs> ah, Dylan, c'est son anniversaire quand oh c'est demain, d'accord. Et Cassandra aussi, du coup. Oh, bah ben on aura deux ados, ça va être bien pour nous aider, ça. Bon, Lorena, elle va s'évanouir, clairement. Ouais, voilà, <laughs> je le savais. <laughs> je le savais. Bon, on va rappeler Neko, du coup. Et nous, ben, on rentrera à la maison, hein, plus tard. On est vraiment une catastrophe, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va aller se coucher. Hein. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a Il a faim. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le frigo Non, il n'y a rien, ok. Waouh. Waouh, 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 waouh. Wow, wow. Là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud, patateau, parce que ça va être compliqué. Okay. On peut pas commander une pizza ou quoi? Oh là là, non, on peut pas. Quand on est enfant, on peut pas. Ah, si, c'est bon. Euh, livraison de pizza, pepperoni. Allez, appelle mon petit. Ok, elle arrive bientôt, la pizza. Comme ça, le gosse, il va pouvoir en prendre. Non, le gosse, il a commandé une pizza tout seul. Ah, ça y est, elle est là. Prendre la pizza. Ok, c'est parti. Ok, comme ça, tout le monde va venir se servir. Parfait, parfait, parfait. Allez, va prendre la pizza, mon petit. Ok, et ça, on va le ranger. Pour une fois que j'arrive à commander une pizza, parce que normalement, ça marche jamais, ce truc. Toi, t'iras prendre un bain et après te coucher. Voilà, voilà. Le petit il a, il a mangé ou pas Ah, il mange, il mange. Ok, et après, il ira dormir. Ok, va dormir. Très bien. Morticia est de retour. Toujours sur l'ordi. Je sais pas, elle est accro à l'ordi. Ah bah ben maintenant, elle fait de la guitare. Non, mais faut, au bout d'un moment, il faut arrêter Morticia. Dylan passe par une phase. Il s'est trouvé un animal totem et ne veut rien porter d'autre que son costume d'ours. Non, mais franchement. Dylan, je commençais à bien t'aimer. Et là, tu veux te transformer en ours. Qu'est-ce qui se passe Genre... Euh, ça va.. <laughs> Regardez ses petites fesses quand il marche. Non, je peux pas, c'est trop drôle. Non, encore un qui se transforme en ours Non on on a deux ours à la maison, mais qu'est-ce qui, <laughs> mais pourquoi Bah voilà, on a deux ours à la maison, un ours orange et un ours avocat. Ah bah d'accord, bah moi ça fait référence à des fruits et des légumes. Hein. Écoutez, c'est déjà ça. De toute façon, ils vont grandir aujourd'hui, donc euh... ouais voilà, vous allez pas avoir une phase très très longtemps. Hein. Non mais franchement, c'est quoi cette image C'est quoi cette image <laughs> N'importe quoi. Morticia toujours en train de frapper la peluche. Vraiment, il faut que t'arrêtes. C'est ridicule. Oh non, ils ont grandi. Je voulais vraiment leur faire leur anniversaire le midi. Ils ont grandi à 7h44. Bon, ok. Du coup, ils sont adolescents. Dylan, on va le mettre euh, famille, je pense, parce qu'il est très, très famille, etc. Il nous aide beaucoup. Et trait de caractère aléatoire, kleptomane. Bon, bah, super. <laughs> Ça va bien nous aider. Et Cassandra aussi, elle a vieilli. Alors, Cassandra, je sais pas du tout quoi la mettre. Oh, elle a l'air jolie, hein. Je vais la mettre peut-être. Euh... Oh, je sais pas du tout. Peut-être amour. Allez, pourquoi pas, je ne le fais jamais. Et trait de caractère aléatoire, non, pas kleptomane. On change, on change Hop, oh non pas ça <laughs> Oh, ils sont trop nuls ceux que je trouve. Bon, allez, allez, celui-là c'est le bon, celui-là c'est le bon, celui-là c'est le bon. C'est quoi Adore ah, les animaux. Ah, j'ai cru que c'était adorer les lamas en mode. Euh, ok. Ok, on va les relooker tous ces petits cocos. Oh, elle est trop belle. Qu'est-ce que je vous avais dit sur Cassandra Qu'est-ce que je vous avais dit Je vous ai dit, attention, elle, elle va être très très belle. Et voilà, j'avais raison. Dylan, euh, pff, bon, c'est Dylan quoi. <laughs> bah écoutez, je les relook et je reviens. Ok, donc voilà pour Cassandra dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et voilà pour Dylan dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ah non, mais elle, elle est trop belle. Je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit qu'elle allait être trop belle, Cassandra. Elle est trop jolie. Oh non, il grandit, c'est pas possible. Et ça, là, c'est cassé. Bon, on va le remettre adulte parce que j'aime pas qu'il soit âgé, ça me fait triste. Où es-tu sur le tutu Ne sois pas vieux, s'il te plaît. Hop, je te modifie. Hop, allez, on le remet adulte. Voilà, tout feu, tout flamme. Ah, lui, on l'a pas looké, zut. Bon, je le relook vite fait. Hein. Voilà, donc, tenue quotidienne, habillée de dodo de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Pour Etienne. Et bon, ma petite Lorena, qu'est-ce que tu fais cette tronche là Ça va pas bien Ah non, bah, elle va pas bien. Hein. Ah, j'aimerais bien acheter aussi un aspirateur robot. On va pas réussir à jouer. On va pas réussir à jouer vraiment. Aspirateur robot. Ouais, ça, ça va être bien parce que franchement, il y a des poils partout. On en a marre. Ça, ça va être chouette. Hop, commencer la routine de nettoyage. On va voir s'il marche bien. Ok, let's go. C'est bien, c'est bien. Ah, elle est mal à l'aise. Elle peut pas faire de toile. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, toile classique, ma petite Lorena, c'est parti. On a Cassandra dans la chambre. Euh, bah, Cassandra, tiens, au lieu de faire tes deux Voir, ou Dylan, Dylan, ouais. Va donner un bain à Neko, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Ok. Oh, on commence à me, à me demander, pardon, du travail, vous savez, mais non. On va pas prendre l'offre de travail. C'est un peu de la triche. Ah, merde, j'ai pas payé mes factures. Oh là là, je bille la mouche. Allez, va payer les factures, Cassandra, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ah, encore peut-être un chef doeuvre Ah, il a aspiré tous les poils, le truc. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tu sers à quoi, mec Genre, vraiment, euh, on va le mettre dans la cuisine parce qu'il sert à rien, là. Genre, euh, t'as rien aspiré du tout euh... C'est sérieux ça? On va le mettre là, hein. Au moins il va aspirer là. Voyons, commencer la routine pour voir ce que ça fait. Mais non, mais il va pas dans la salle de yoga. Non, mais il est tombé. Il est tombé. ce truc, laissez tomber. C'est tombé. <laughs> teubé. Non, mais vraiment, il a rien nettoyé. Bon, laisse tomber. Hein. C'est plus décoratif, hein <laughs> Bon, pour euh, le repas, on va faire des macaroni au fromage. Comme ça, tout le monde va venir manger. Oh, pas lui encore. C'est pas possible. Et Lorena, je trouverai ma rousseau très mignonne. Ah bah bravo. Ah bah, bah, ah bah tu. Bon, bah oui. Au moins tu nous laisses tranquille. Allez, il va nous lâcher la grappe comme ça. Allez, venez tous grailler, les gars. C'est parti, que un... ça... Allez, le petit mioche là. Insupportable. Vagraille aussi. Etienne a très faim. Bah, Etienne, il va aller se servir tout seul comme un grand. Ce sera déjà pas mal. Non, Lorena, pourquoi tu mets ça ici T'es insupportable. Depuis petite, tu fais ça, tu es insupportable. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière grand petit cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage euh, Je crois que c'est sous quelles conditions qu'il faut mettre. Hein ouais, c'est bon. Ok, let's go. 2500 comme ça dans la poche. On adore. Franchement, on adore. Le gosse, il mange. Ok, très très bien. On va vendre cette toile aussi. Oh. Ok, let's go. On va en refaire une autre. Cassandra, t'es comme ton arrière-arrière-grand-mère. Tu... Enfin, arrière-grand-mère plutôt. Ou ta grand-mère. Ouais, je sais pas. Hein. Bon, enfin, t'es comme Morticia, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait, ce pauvre ours Ça va pas bien, hein. Ça va pas bien. Oh non, les enfants, ils rentrent de l'école, ils font de la balançoire. Non, mais c'est vraiment trop mignon. C'est trop, trop chou. J'aime trop. Bon, ça vaut combien, ça 3200. Waouh. Là, je t'aime, Lorena. Là, t'es la pépite de ma vie, de mon ciel. Vraiment, t'es incroyable. Incroyable. Ah, mais le prochain épisode, on pourra se faire construire une piscine. hein. Ça, c'est sûr, hein. Oh Trop bien, trop bien, trop bien. Une petite douche pour Lorena. J'aime trop cette petite vibe d'été, là. J'aime trop, j'aime trop, c'est trop bien. Allez, on brosse le nécho. Très mignon, très mignon. Oh, recevoir de l'amour. Yes. Ok, ça donne plein de points de satisfaction, ça. Oh, j'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup, non. Je crois pas, en fait. Voyons quel trait je peux prendre. Oh, si, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Toujours rassasiée, jamais fatiguée, courageuse, besoin de personne. Hmm, je sais pas trop ce que je peux prendre. Petite dormeuse, c'est bien, ça. Au moins, elle a pas trop besoin de dormir. Après, je trouve que ça enlève du RP. Fertile, mais vraiment. Mais c'est ce qu'il nous faut en fait. <laughs> Visionnaire, on a plus de chances de faire des chefs-d'oeuvre, yes, trop bien, Alors, vraiment, Lorena, et je t'aime de plus en plus, t'es une des meilleures matriarches, je pense, hein. on va voir si ça marche, <laughs> direct, hein. je teste. Ah non, on veut pas faire de dons, madame, je suis désolée, je, non, non, désolée, je, je veux pas. Euh, bah c'est pas trop un chef-d'oeuvre, ce que je viens de perdre, si, 870 pourtant, bah c'est pas très très cher pour un chef-d'oeuvre, hein. franchement, vous êtes pas très, hein. Ah mais bah, elle a envie de faire pipi, oh là là, faut qu'elle aille faire pipi, vite, 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 vite. Bon, Cassandra, va nettoyer ce bol là, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a, le gosse Pourquoi il pleure, t'es dans le verre Parce que t'as un pyjama euh, pas très joli. Bah désolé, je t'ai relooké en vitesse, hein, euh, c'est tout. Oh Elle refait le tableau que j'avais trop aimé. Ah, je sais pas si je le revends cette fois. <laughs> il est trop beau. Ah, chef-d'œuvre, 2002, purée de pommes de terre. Mais celui-là, je pense qu'il va bien dans la chambre de Lorena, une fois qu'on l'aura relooké Je sais pas. Moi, j'aime bien. Bon, Cassandra, elle s'occupe euh, d'Etienne qui est quand même dans le verre, très bien. Dylan, oh bah Dylan, il est au pieu. alors lui, il a même pas cherché à comprendre. Elle aussi. Lui aussi, d'accord. En fait, Cassandra, t'es un peu dans le mal là. Je sais pas si tu le vois, mais <laughs> faudrait vraiment que t'ailles t'occuper de toi-même. Et toi, 22h42, va dormir. Hein. Va vraiment dormir. Et toi aussi, va dormir. Hop. Oh, c'est joli aussi, ça, ce qu'elle a fait. Hein. En fait, elle fait que des trucs jolis, Lorena. Ah, c'est un chef doeuvre aussi. C'est beau. Hein. Mais 813, franchement, c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est pas très, très cher. Hein. Bon, je vais aller lui faire prendre des restes. Ensuite, elle ira dormir parce qu'elle est épuisée. Quoi qu'attend, faut qu'elle aille nettoyer cette flaque là. Et ensuite, elle ira dormir. Ah, bah, comme Dylan, il est debout, je pense qu'il va aller servir. Le petit déj, salade de fruits. Comme ça, au moins, il appellera à table. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Merci. Puis lui, il a déjà graille. Du coup, il ira promener Neko, je pense, avant d'aller en cours. Quoique, ça va être un peu de hein. Vraiment. Bah, il a pas terminé. Mais, mais il reprend ta salade de fruits. Mais il est tombé, ou quoi Ok. Parfait. Appel à table. Ah, tout le monde part à l'école. Et moi, je me retrouve seule avec l'affreux monstre. Il est où Ah, il est là. Bah, je vais aller lui donner un bain après, hein. Écoutez. Ah, bah, en attendant qu'il mange son truc, je vais remplir la gamelle de Neko. Hop, je vais nettoyer ça. Ok. Et après, je donnerai un bain. Oh, shit de shit, c'est pas possible. Allez, au bain, l'affreux Jojo. Peut-être donner un bain à quoi après aussi. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui Tu te souviens qu'on avait parlé des Rousseau Eh bien, j'ai eu un rencard avec elle, c'était très sympa. Bah, cool, en fait, tu comptes nous raconter toute ta vie Laisse-nous <laughs> Lâche-nous la veste. Alors donner un bain à Neko, ouais, parce que là c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a encore Ah, il veut pas nous lâcher la veste. Il veut pas nous lâcher la veste. Oh non, c'est trop mignon. <laughs> c'est trop chou. Moi, je veux bien que Dylan il vole des objets de choix, mais pour voler des assiettes sales, enfin, je sais pas. Tu es teubé ou tu fais exprès Ah, et maintenant c'est quelqu'un qui joue de la guitare. Non, mais faut arrêter, faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Oh, c'est trop mignon. Regardez Cassandra, elle s'occupe de son frère dans la piscine. C'est trop bien. Oh, je trouve envie d'être en été. J'en ai marre hein, qu'il fasse pas beau. Oh, il est Insupportable, je vous jure, il est insupportable. Maintenant, il va aller à un rencard avec moi. Alors qu'il nous a dit qu'il avait déjà eu un rencard avec quelqu'un d'autre. Non, mais euh, stop. Hein. Alors, lui, euh, t'es hors sujet avec le temps et l'espace. Hein. Même le temps et l'espace, euh, je sais pas ce que je voulais dire, mais voilà, t'es hors sujet. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. Non, mais regardez-le, celui-là. Euh, mais, oh, mais, Ayo moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée Mais, f mais laisse-nous, lâche-nous la, la grappe, laisse-nous tranquille. Tu es insupportable, il, il nous lâche pas. Vraiment, il nous, il nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Si tant qu'il y en ait un. Mais il est fou, il est taré. Ce mec, il est taré du cul. Bon, on va aller promener Moumoun. Ça va lui changer les idées à Lorena. De toute façon, elle va bientôt accoucher, à mon avis. Ouh hein. là 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 là. Oui, oui, oui. Cassandra, ça va bien. Lorita, non, on n'a pas le temps, Lolo. C'est bientôt l'anniversaire de Marc. Ah, et de Sierra aussi. Ah oui, son jumeau. Bravo, Sarah. <laughs> Encore quelqu'un là-bas qui joue du violon. Mais c'est quoi cette ville bizarre Ils jouent tous du violon, c'est incroyable. Une vraie ville de mélomane. Hein. Ah, ça, c'est pour aller dans un monde caché. Ah non, c'est pour les falaises, ok. Elle va être en train d'accoucher. Oh là là, non. Écoutez, je pense qu'on va coucher à la maison pour une fois euh, dans son petit foyer etc ce sera beaucoup mieux hein. elle s'est fait pipi dessus oh mais génial juste un accouché en plus ça va être bien agréable hein. moi je te le dis hein. allez c'est pas grave t'es forte vas-y ah oh, j'ai peur je veux trop, trop une fille par contre je veux trop trop une fille s'il vous plaît c'est un garçon et eh, vas-y je suis triste j'ai que des garçons en ce moment ok je vais regarder euh, les prénoms que vous m'avez donnés je scroll je scroll je scroll oh non les gars c'est un prénom ch... Non, je suis tombée sur Francis. <laughs> bon bah écoutez Francis, Francis le bébé. Mais non, mais Francis c'est pas un nom de bébé, ça va pas. Oh. Bon bah voilà bébé Francis, genre. <laughs> ça va pas du tout. C'est bébé Francis. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode. N'oubliez pas de me dire combien vous voulez que Lorena soit payée à chaque cours de yoga. Je pense que 200, c'est quand même RP. Genre, il y a quand même 4 personnes qui viennent à chaque fois pour prendre un cours. Donc, je pense que ça me paraît quand même bien. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao!